Ça fait quoi, Thésée, pour un vieux de 46 ans? Ça fait qu'il faut se lever à 4h30 le premier dimanche des vacances alors que l'on est juste crevé par le boulot de la semaine. Ça fait qu'il faut partir serré dans un car alors que l'on a une voiture qui serait nettement plus confortable. Ça fait qu'il faut prendre des vacances en plus. Ce sera du temps en moins pour les vacances en famille, sans compter le travail qui ne va pas se faire tout seul pendant ce temps. Ça fait que l'on se trouve à dormir par terre dans un dortoir peuplé de ronfleurs. Sinon, on peut dormir dans une tente et se transformer en glaçon. Ça fait que l'on mange des repas improbables et frugaux servis à la chaîne par des jeunes déchaînés. Ça fait que l'on apprend à étaler le beurre sur le pain avec une cuillère. Ça fait que l'on prend son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner avec un bol. Ça fait que l'on traverse la France pour vivre dans un village inconfortable à moitié préfabriqué et où il n'y a rien de spécial à voir. Rien de spécial à voir. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Thésée, pour un vieux de 46 ans, ça fait beaucoup plus que ça. En fait, quand on vient à Thésée, on voit la beauté du monde. On voit la beauté de cette communauté qui a démarré pendant une guerre mondiale et qui dit au monde que oui, on peut croire en l'avenir et que oui, on peut croire en l'amour du Christ. On peut y croire même si notre monde vit toujours des guerres et des crises toujours plus injustes les unes que les autres. On voit la beauté de cette communauté pour qui la différence de l'autre n'est pas une menace mais une richesse. On voit la beauté de ces milliers de jeunes qui fraternisent, qui font la fête et qui prient. On voit la beauté de l'amour du Christ qui donne des larmes de joie pendant les temps de prière. Et puis il y a votre beauté à vous lorsqu'on vous voit vivre à Thésée, lorsqu'on vous voit chanter l'amour du Christ pendant des heures, lorsqu'on vous voit faire la fête avec vos amis. Alors cette foi que vous nous avez montrée, gardez-la bien, cultivez-la, partagez-la, vous avez un monde meilleur à construire et on compte sur vous. Et le vieux de 46 ans et toute l'équipe d'animateurs, on vous dit merci de nous avoir montré toute cette joie, merci de nous avoir permis de vivre ce moment extraordinaire avec vous, merci de nous avoir emmenés à Thésée.